Bonsoir Riff, bonjour même, enfin, à l'heure où je suis plutôt bonsoir. Donc aujourd'hui nous allons... donc on est le lendemain de la Z-Event. Je pense toujours parmi, hein, c'était tellement magnifique, c'était tellement beau. T'as 1 200 000. C'était fou, moi j'ai surkiffé, franchement. Et de notre côté, dans l'Axiom, on s'est dit, mais... Quand est-ce qu'on va pouvoir faire un truc pareil aussi? Bon, on aimerait beaucoup participer à ce genre de truc, vraiment s'amuser entre potes et en plus aider des gens. Et ça, vraiment, à l'échelle humaine, c'est vraiment, on trouve vraiment, c'est le top de. Vraiment, c'est. Tu fais ce que tu aimes, tu surkiffes avec tes potes, et en plus, tu aides des gens. Et en plus, tu aides d'autres gens. À se sentir bien en aidant des gens. Et vraiment, c'est vraiment le summum du bien-être humain, du bien-être de l'ego de l'humain. C'est vraiment ça, c'est génial. Franchement, c'est juste génial. Bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur Projet Hi-Hi's. Donc, c'est un petit jeu indé. C'est l'un des 3 nouveaux jeux gratuits avec Discord Nitro. Et je voulais stream hier, mais j'ai eu des problèmes d'internet, et puis il y avait les Z-Events, donc voilà, j'ai pu profiter pleinement des Z-Events sans stream. Et du coup, j'ai joué un petit peu hier, j'ai fait ces 3 tutos-là, essayé de faire un nouveau jeu, mais j'ai fini par mourir, et j'ai essayé de faire le premier scénario, mais j'ai pas trop réussi. Et en fait, voilà, donc c'est un jeu de simulation, de gestion, voilà. On va faire le deuxième parce que le premier du coup je connais. Enfin le deuxième. L'Apenterer. Difficulté moyenne. Ah, c'était facile et j'ai pas réussi. Pas de facile. Voilà, on va faire une petite difficulté facile. Difficulté facile, ce qu'il a dit en 1930, les merchandise, blablabla. Vous êtes dans un terrain de la même taille, de restriction de hauteur identique qu'à celle du Mart. Vous commencez avec la station de métro et un centre de commercial embryonnaire. Créez un empire commercial sous un seul toit. En 130, il y a également une minuscule petite promenade de la Grande Dépression. Vous êtes donc également devoir faire face à des conditions économiques peu reluisantes. Bonne chance. Donc là, apparemment, je vais devoir survivre et atteindre des objectifs. Donc je dois créer un immeuble de taille épique et la rentabilité aussi épique. Donc donc je dois avoir une rentabilité folle et une immense taille. En début de la crise qui fait rage, créer un centre commercial prestigieux et prospère. D'accord? Faites du Mart le plus grand immeuble du monde pendant que vous y êtes. D'accord. Alors, l'interface. Donc là déjà, nous avons l'endroit, la zone des travaux. Donc on pourrait pas, plutôt après sa construction. Je peux aller jusqu'à l'étalage 17, apparemment. Et au sous-sol, je peux aller jusqu'à moins 10. Donc le personnel, donc ça c'est les ouvriers qui travailleront pour construire. Les poubelles, les portes, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Stockage, c'est surtout pour les magasins, ça en vrai. Et comme on va en faire un centre commercial, je crois. Ouais, pour l'instant, je vais pas faire le nawak. Transport, apparemment, on aurait une station de métro. Donc oui, donc on a une station de métro directement dans l'immeuble. C'est incroyable, ça, non? C'est fou. Et des halls, je sais pas vraiment... Est-ce que c'est vraiment utile, ça? Je ne sais point. Je pensais juste pour rendre plus joli à l'intérieur, enfin l'extérieur surtout. Et donc nous voilà ici. Donc là on a une salle vide, on a un lobbyiste. Le lobbyiste vous aide à modifier les politiques de la ville en votre faveur. Donc là on a des bureaux, des petits bureaux, donc ça c'est les bureaux les plus basiques. Hop, là on a... Bureau d'entretien, bureau de construction, des salles vides, des compteurs électriques, un compteur téléphone, un centre de copie, courrier, fourniture de bureau, donc ça c'est déjà pas mal. On a déjà des petits cafés et tout là. Oui, du coup, là c'est là, ça va être fou là ici. Est-ce que le centre commercial on le fait en tout en souterrain et les apparts on les met en haut? En vrai, ça peut se faire ça, hein. On va partir là-dessus. On va partir sur le centre commercial en souterrain. Et les bureaux et appart en haut. Ah oui, il faut que je leur foute un ascenseur, sinon ça va pas le faire.
Et du coup, hop, je hop, un autre petit resto. Donc là, j'ai un café et un petit stand à bagel. Un petit stand de resto, s'il vous plaît. Donc oui, hop, je mets le en x2. Alors, ils sont vénères, pourquoi? Ça, c'est des copies requis. T'en as un, là? Qu'est-ce que tu viens me faire chier? Puis, ligne électrique. Oui, c'est relié. Téléphone. Téléphone, genre, je vais leur en donner à eux aussi, là. Sinon, ils vont se finir par se plaindre et ça va être chiant. La TV, on s'en fout, l'eau, on s'en fout, l'eau. Gaz, on s'en fout. Voilà. Bon, il vous là. La pub arrive. Hop, elle se fait bien tranquillement. Un petit locataire qui a payé 85 euros par jour. C'est pas fou 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 fou, je vous l'avoue. Bon, faut qu'on se fasse. Non, les restos, on a assez en vrai, faut qu'on fasse des magasins. Donc là, j'arrive ici. Ok, je peux faire deux magasins ici. Paf. Pour les pharmacies, baie de stockage vide, ok. Il faut le bel stockage. Baie de stockage. Paf. Du coup, paf, une pharmacie. Et puis, alors qu'est-ce qui peut coûter lui à 180, 920. Enfin, il paye cher, hein. Ah, la 220 aussi, appareil électronique. Hop. Hop, paf, un petit 220. Alors, oui, donc ils veulent le téléphone, du coup. Donc, faut que je descende le compteur. Paf, vous êtes relié. L'électricité, je suppose que vous en avez également en avoir besoin. Paf. Vous avez pas besoin du téléphone apparemment, vous. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, je vais faire des plus grands bureaux déjà. Oui, les bureaux, on a dit qu'on les ferait en haut. Bon, alors, je suis en déficit. Ça commence bien. C'est en déficit, je suis en déficit. Il va falloir faire paf des magasins. Hein. Oh, il n'y a pas la même taille ici. Mon Dieu. Mon Dieu, que c'est moche. J'aurais pas dû mettre là l'heure. Là. Non, installation, stockage. Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas de place ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pas mis ailleurs. Ah, il faut jusque là, d'accord. Paf, paf, paf. Je crois que j'ai fait un poil de trop. Stockage, tac. Non, j'ai fait pile, bien. Allez, là, les. Ils vont pas. Ah oui, ils retirent tous les cartons de là, bah évidemment. Allez, grouille ton zboule. Rouillez-vous. Dépêchez-vous, ou je vous déboîte. Hop. Paf. Merci. Bon, alors ensuite ici, on va foutre. Toi, tu meurs. Pourquoi il déménage? Ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas content? Pourquoi ils sont pas contents? Pourquoi ils se barrent? Parce que vous êtes en sous-sol, que vous n'êtes pas content? Ils sont contents d'être en sous-sol. C'est une circulation dense, on est une putain de gare de métro, mec. Ah oui, la circulation. Paf.
Mais principalement là, c'est obligé. Paf. Hop. Parce qu'il faut que j'attire plus de gens en fait, donc avec plus de magasins et tout ça. Paf, pif, pouf. Je vais monter un peu là-haut, je vais faire des gros bureaux. Paf. Putain, des bruits de klaxon et tout. Paf délire, on va diversifier le tout hein, pour que vraiment les gens aient envie de venir. Il m'en pharmacie boutique de fleurs. Voilà, faut diversifier, faut de la diversité, comme ça les gens vont venir. Puis on va faire des petits restos. Hop, tac café. Un autre magasin de donuts, un autre truc de resto, s'il vous plaît. Ah, ils ont pas l'électricité. Paf. Paf. Et je vous donne également le téléphone. Bon, je vous le donne à vous aussi, parce qu'on ne sait jamais. Tac. Magasin de donuts, paf. Et paf. Alors, là-haut. Voilà, je suis toujours en déficit. Là, paf, un grand bureau. C'est 4 les petits bureaux. Oui, là ça passe. Mais là ça passera pas. Comment ça, ils ont pas d'électricité? On n'a pas assez d'élec. Faut en rajouter. Paf, un gros compteur là. Paf! Donc là on est bon pour tout le temps. Quoi, tu veux de l'eau toi? Quel connard! Sérieux, personne en veut de l'eau. Culé. Je suis obligé de... Je suis obligé de faire descendre ça. Pour aller te donner de l'eau. Alors, cabinet médical. Ça va se faire. Technique ration, cabinet d'avocat. Tu vas en ça, il va plus de restaurants moyens. Il y avait le quoi? Bon là, ok. Paf, 310 balles par jour. Allez, dépêchez-vous là. Là, faites ça en premier. Je peux peut-être rajouter par-dessus. Oui, bah voilà. Paf, tu l'as ton eau maintenant. Peut-être être dans le verre du coup le prochain jour. Ouh là, ils n'ont pas de téléphone. Mais il faut que je monte. Paf. Il y a un téléphone, l'électricité. Il va t'en falloir aussi. Paf. Pourquoi t'es pas content? C'est des services de concierge et d'impression commerciale. Alors donc c'est ici là les petits services qu'ils veulent. Concierge, j'en ai pas et ça dit pas de demande mais en fait si. Hop. Et tu veux quoi aussi? Service d'impression commerciale. Alors, copie impression commerciale. Ça a l'air gros ça. Pas mal big hein. Mais là, ça, là, faut que j'agrandisse. Là, faut que j'agrandisse. Non, je peux pas. Il y a ça. Sente, c'est mort. Alors, pression commerciale jusqu'à là.
On va faire un petit coin en plus au cas où. Voilà. Et du coup, impression commerciale. Ici. Oh, ils veulent de l'eau là-bas. Dépêchez-vous. Allez, construisez-moi ces murs. Oui. Oui. Paf! Alors, là-bas, ça veut de l'eau. Là, ici. Paf! Ça veut de l'électricité aussi, bah dis donc. Là, ça veut le téléphone. Vas-y. Bon, j'espère que dans le prochain jour je suis dans le vert, sinon je suis dans le mort. Sinon je suis dans la merde si ça veut pas partir. Ouais, mais c'est comme le stream là, il veut pas partir. Le stream est déconnecté. Bon bah voilà. Je ne sais point pourquoi. Pourquoi t'es pas content? Ah tiens, boum. Une baie de stockage vide requis. Tu veux une baie de stockage vide toi aussi? Pas chiant du tout là. Une baie de stockage vide, l'installation. Moins 500 baies, j'ai pas d'argent. Attention, révélation. Et. Paf! Ah, je suis en ultra dette. Pof. Alors, là, ça veut ça. Ça va jusque là. Du coup, infrastructure. Paf. Ensuite, quoi, il y a des nouveautés ici? Ok. Paf. Une nouveauté là, oui. Paf. Pif. Pouf. Il me faudrait du dîner. Ah, un petit peu de dîner là. Paf. C'est bien ça. En vrai, je vais aussi détruire ces deux-là, là. Donc là, j'ai resto, salade à emporter. Que je fasse un petit café. Et là, paf. Je suis en train de tout rect. Je te remonte ça là. Paf! Ouais. Oui. Paf un grand resto. Paf un grand resto. Voilà. Une petite pizzeria. Puis là. Déjeuner, petit déjeuner. Luxury. Déjeuner. Petit DG, hein. Qui me rapporte la plus chère? C'est toi, paf! C'est vrai que j'ai là-haut, là. Faut que je le fasse bosser, là. J'ai pas de pharmacie? Ah bah, dis donc. C'est pas bon, ça. Non, ça, j'ai pas de pharmacie. Ils veulent de l'eau. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Alors, est-ce que vous êtes content, vous?
Soit avoir des poubelles au même étage. C'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est bien parce que les poubelles ça vaut que 2. Oui, c'est vrai, je voulais faire une pharmacie. Là. Un bon nombre de personnes qui visitent votre immeuble utilisent vos escaliers, vos ascenseurs. Une agence de publicité souhaite passer les publicités dans vos ascenseurs et vos escaliers. En échange, ils se chargeront de tous les coûts d'entretien. Plus de passants, moins 50%. Inflation accrue de vos résidents, augmentation du chiffre d'affaires de magasins et de restaurants. Bref, moi je veux de l'argent. Il vous faut de l'eau. Paf. Ah. Ouh là là, vite. Il faut que je refasse plus d'argent. Sinon je vais être dans la grosse merde. Non, je vais faire un magasin. Et là, je fais une pharmacie. Je pensais que j'en avais une pourtant. Kiosque. Super Red, boutique des fleurs, boutique des téléphones portables. Du coup maintenant je peux foutre les poubelles. Ordures. Paf. Pif, paf. C'est vrai qu'il faut que je fasse un local à Tria. Paf. Parfait. Vous aurez les agents d'entretien. Pourquoi ils se sont barrés? On peut vivre sans électricité, sans téléphone. Mais connard! Puis quand ils déménagent, ils amènent la salle entière, ils amènent les murs. Bande d'enfoirés. Ils déménagent mais ils laissent leur carton derrière ces enfoirés. Allez, donnez-moi de l'argent. Et du coup, pharmacie. Ah, il n'y avait plus, faut que je fasse un coup de pub. Paf! Pharmacie. Puis là, paf, le petit resto. Donc là, j'ai café. Et plat copieux sur le déjeuner. Donc là, il me faut des donuts. Comme ça, j'ai une belle diversité. Versité. Pas beaucoup qui prennent le métro en vrai. Hein. Et vous là-haut, je peux faire un putain de médecin. Paf. T'as besoin de plein de trucs. Hop. Je suis encore en dette. Je suis encore en dette. Je ne sais pas comment faire pour ne pas mourir dans ce jeu de merde. Ou alors c'est juste moi qui suis nul en jeu de. Paf, pif, bouf, paf. Paf. En jeu de. Comment ça s'appelle? De gestion. Très probable également, hein. Ah là 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 là. Ah, je peux peut-être essayer de hall. Paf. Super. Ouais.
c'est vraiment utile. Personne ne le sait. Voilà. Hop. Ajouter un petit bureau ici. On va y foutre un avocat. Parce qu'on ne sait jamais. Ouais, j'en utilise le métro quand même un petit peu. Hein. Hop, ça vient, ça vient, ça vient. Ouais, payez-moi mes infrastructures, je vous en supplie. Les gens qui viennent. C'est pas énorme, mais ça vient. Si je fais un peu de circulation. Ouais, ça circule, ça circule. Pas dégueu, pas dégueu. Oh, je pourrais foutre un magasin ultra cher ici. Comme il est dans toute la circulation, il se ferait des blindes. Problème survenu lors de l'une de vos cages d'ascenseur. Ça signifie que les personnes provenant de l'étage concerné devront attendre beaucoup plus longtemps que d'habitude. Personne n'est à attendre. Et cela, sans aucun doute, les rendre mécontents. Ce délai dispose d'un bureau d'entretien. Ces derniers enverront un employé pour remédier au problème si possible. Ok. Ah, il est là. Alors attention. Ah oui, c'est vrai, j'ai des contrats là. Paf. Oui. Merci. Tenant avec 100 personnes. 16 petits bureaux. 25 employés. Un complet de bureau. Hein. Pas vu, c'est quoi ça? 20 spiritueux. Faut que j'ai un magasin de vin et de spiritualité. Pif. Le vert est au-dessus, mais j'ai toujours dans le rouge. Enfin, j'ai toujours, je suis toujours en déficit, enfin, en négatif. Il me faut un magasin de vin. Pharmacie, boutique, vin spiritueux. Paf. Développer un peu mes bureaux aussi, moi, là-haut. Ah oui. Non, tu veux pas d'eau, c'est bon. Alors, sinon, ça vous plaît, là? Ah, les endroits très fréquentés, ouais. Mais métro ne pas en avoir. Alors de poubelle au même étage, donc si tu en as, c'est bon. Hop. Paf. Yes, merci bien. Et là. Dans cette accrue 100 personnes, ça je vais le faire. Et je vais faire deux pierres de coups en faisant plein de nouveaux bureaux. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ça, ça fait plein de petits bureaux en plus. Qu'est-ce que t'as, toi? Service d'eau embouteillé requis. Mon dieu, il veut de l'eau. Tiens, je te baisse ton loyer et je te fais tes trucs. Ça, c'est stockage de fichiers, service d'eau. Embouteillé. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Le bureau d'un directeur n'a rien pour des bonus d'amélioration du constat de la branche. Ouais. Si tu veux. Enfin, je m'en fous. Mais tiens, hop, je te fous là. Paf. Voilà, super. Gestionnaire de bâtiment. Tiens, je vais te foutre là. Ce sera terminé, bien évidemment. J'ai encore été dans le rouge. Ça fait quoi ça? Limite de hauteur. C'était un bâtiment, je peux pas. Oui, alors ils voulaient. Sérieusement embouté. Mais de toute façon, ils construisent pas là. Ils font quoi? Ils sont là-haut. Ah, c'est parce qu'ils construisent vraiment dans l'ordre où moi je leur ai dit de construire. C'est bien ça. Personnel. Ça, je le veux. Alors, les plus gros constructeurs, plus de constructeurs, c'est mieux. C'est bien. Et en gros, sur le cul, on va être dans le rouge à la fin du mois. Fin du jour, même plutôt. Là, ce qu'on va faire, les gens vont pas être contents, mais on augmente tous de 10%. Les bureaux, les commerces, les restos, on n'a pas d'appartement. Donc c'est pas grave. Paf. Il y en a qui vont râler. Il y en a qui. Voilà, ça commence déjà à me faire chier. Du coup, ils veulent des bouteilles. Paf. Et vous voulez quoi? Stockage de fichiers. Ouais, vas-y. Hop. Stockage de fichiers. Paf. Ouais, bon, l'électricité. Non, c'est pas là. C'est là. Paf. Alors ensuite, là. Non, faire que les petits bureaux. Pif, paf, pouf. Alors, les comptables, on s'en fout. Les agents de création, elles donnent plus cher. Ouais, bah c'est bien les agents de création qui donnent plus cher. Et toi. Alors vous. Allez, moins 50% sur l'infrastructure. Ils veulent le téléphone là. Paf. T'as pas le téléphone toi? Si, c'est que du coup on n'a plus assez de branchement. Et j'ai pas assez de sous pour faire un téléphone de plus, putain. Ils vont se barrer. Merde, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Bon. De toute façon, personne va regarder cette VOD et qu'on stream pas. Parce que Internet il est coupé là. Non, non, il est pas coupé Internet.
Alors. Tac. Tactique. Oula. Pif. Tac. Alors, waouh, en effet, il est gigantesque. Paf. Quoi, ça veut pas? Voilà. Hop. Bleu. 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 Hop. Mais tu triches, papa. Non. Paf. Là, là, je vais faire un bâtiment que d'appartements. C'est que des apparts. Avec des gigaoles magnifiques. Paf, comment ça je peux pas? Ah, ouais, excusez-moi. Je veux mettre plus de constructeurs là, je peux pas. Bon, alors là, du coup, ils vont mettre 15 ans à tout faire, là, ceux-là. Et oui, et du coup, il n'y avait plus de téléphone. On va rajouter. Paf, ça devrait le faire. Alors, pourquoi t'es pas content? Ok, tu redeviens content. Parce que t'avais plus de téléphone, je suppose. Puis eux, du coup, ils sont pas câblés. Paf. Puis là, il faut mettre des ascenseurs.
Alors, 1, 2 pour l'électricité eau, 2 de poubelle, 1 poubelle recyclable. Et là, normalement, c'est parfait. Du coup, tac, électricité. Paf. Et les poubelles, j'ai dit. Ah, j'ai débloqué un nouveau truc, je ne sais pas où. Clarage, toi. Ah, décoration de toit, apparemment. C'est nul, ça. Ah, ça, c'est beau. Ça, on s'en fout. Paf. Hop. Et ordure. Coup ça là. Bah, ça sert à rien apparemment.
Il y en a un qui s'est barré, il était où?